L'humanitaire. Alors de quoi s'agit-il? Pourquoi est-il question de l'humanitaire au sein d'un concours infirmier? Eh bien, cela peut vous surprendre, mais très fréquemment, les jurys posent cette question. Seriez-vous intéressé ou aimeriez-vous faire carrière et travailler dans le domaine de l'humanitaire? Un candidat sur trois répond par l'affirmative. Oui. Alors, il est évident qu'un choix comme celui-ci mobilise des sacrifices personnels, vous déménagez, vous quittez vos parents, vous quittez votre ami, etc. Donc, ce n'est pas une décision qui peut s'improviser. Ceci dit, pendant le concours, beaucoup de candidats répondent par l'affirmative sans y avoir réfléchi, un peu par obligation, en disant « oui, moi je suis une personne de don », je suis une personne qui est amenée, qui souhaite à aider les gens, donc allons-y, je pars en Afrique, je pars en Asie, oui, pourquoi pas. Vous avez compris qu'en fait, le jury souhaite vérifier si vous êtes quelqu'un de sot, quelqu'un qui répond d'une manière irréfléchie, oui, je veux bien faire l'humanitaire. Alors, il existe des jeunes ou des moins jeunes qui interroger, répondre par l'affirmative parce que ça correspond véritablement à un projet professionnel, un projet réfléchi, programmé, etc. Donc, le conseil que je vous donne par rapport à une question comme celle-ci, c'est tout simplement, si ce n'est pas votre projet professionnel, d'être en mesure de dire « Non, écoutez, c'est peut-être très intéressant l'humanitaire, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas aujourd'hui le projet de travailler dans ce domaine. » Je vous remercie.